tout partout. RTG, c'est G ak zorey, tout haïtien. Dans pays nous, m'a parlé, wap parlé, l'a parlé, y a parlé, tout moun a parlé, yo di se nan entero. Présidence parlé, gouvernement parlé, opposition parlé, secteur privé, société civile, secteur religieux, secteur populaire, classe politique. Tout moun a parlé pour peuple, tout moun a travaillé pour peuple. Et ou même peuple, et ou même citoyen, qui leur a parlé pour tête pa ou. Décanté. Mercredi 27 mars 2024, nous saluons tout le monde, auditeurs, téléspectateurs, à qui est en mode Radio Télé-Guinée. C'est avec un peu de plaisir, nous comptons, nos jeunes noms, pour nous capables de servir nous dans l'occasion. Troisième sortie, mission décanté pour ce maintenant. Côté que l'émission aujourd'hui, hein, nous avons l'honneur pour nous recevoir président Parti révolutionnaire Kiskeyan Docteur Max André Jean-Gilles, que en pile nous qu'on habitué ouais surtout dans différentes éditions nouvelles nous yo. Mais aujourd'hui, hein, nous avons l'honneur pour que nous capable recevoir libéral décanté avec nous. Docteur Jean-Gilles, son plaisir pour nous recevoir dans l'émission décanté aujourd'hui, hein, comment nous y est. Bonjour, bonjour tout le monde. Et bonjour monsieur Ismaël, et très content pour la jodia et me remercier Télé Guinée pour opportunité liban moi pour capable faire mission ça et vous remercier monsieur Ismaël tout pour permettre moi faire mission ça et maintenant là nous pas laisser décanter les problèmes BIA pour nous jeune pour nous voir si gain solution et c'est sûr qu'il y a une solution mais c'est quand même faut que nous qu'on est faut que nous mettre tête ensemble pour nous capable une solution. Pour qui ça parti révolutionnaire Kiskeyan? Bon, et nous là depuis plusieurs années, officiellement nous n'a travaillé depuis plus de 3 ans. Mais depuis plus d'une douzaine d'années, nous t'a travaillé et réfléchi sur problème pays pour nous qui gens pour nous capable joindre des solutions à tout problème pays. Nous faire sortir 3 livres déjà. Nous, il y a le premier livre, c'est vers la création de la République de Kiskeya, qui est sorti en livre en folie en 2012. Donc ça a gagné presque 12 ans. Et puis après, il y a 2 ans de ça, nous faire sortir le livre jaune, qui a parlé plus de problèmes culturels VIA. Et puis nous faire sortir l'année dernière et le programme national de développement, qui lui-même a parlé de tout ça, tous les projets, toute idéologie que Papa Parti a gagné, comme c'est pour pays. Et le n'a pas eu de PRQ, et bon, il y a des gens qui sont parti révolutionnaire Kiskeyan. Alors, Kiskeyan, peut-être que les gens disent, bon, Kiskeyan, bon, pour qui ça c'est Kiskeyan? Bon, pour nous-mêmes, le n'a pas eu de Kiskeyan, nous parlons de Nouvelle Haïti, c'est Nouvelle Haïti. Et alors, faut nous dire que dans l'histoire, t'es gagné, ça est le PCQ, Parti communiste Kiskeyan. C'était monsieur Gérald Brisson avec Gérald Pierre Charles qui était membre actif Parti ça. Et j'ai été venu associer avec Jacques Stéphane Alexis et puis avec un autre parti encore pour créer Parti d'entente populaire. Donc c'est, et puis qui par la suite vin créer parti unifié de communistes haïtiens avec René Théodore, donc de regret de mémoire. Donc ça veut dire ça, c'est, donc là pour montrer que vision qu'est-ce qu'il y a non les changer en plusieurs phases, c'est à dire j'étais ouais avant tout et on parti côté on m'arrivait t'as pas de parti socialiste donc communiste, mais nous même nous pas ouais comme ça, nous ouais plutôt une vision révolutionnaire, mais la révolution que nous-mêmes nous trouvons prôner, que nous trouvons parler, c'est son révolution qui est faite par les urnes. C'est-à-dire que vous prenez le pouvoir par les urnes pour qu'on y ait là pour changer, ça a gagné pour changer. Ce n'est pas craser, briser dans la RIA qui peut créer quoi que ce soit. Moi, ça me dit, je ne veux pas dire que je ne peux pas faire ça. Et qu'on y ait là dans le monde moderne, il ne peut pas accepter de faire ça pour nous arrêter, pour apprendre les âmes, pour arriver. Faire révolution, c'est pas comme ça fait. D'autant plus que nous avons une conception de révolution
qui pas tout à fait exact. Révolution, c'est son changement politique, économique et social. C'est pas seul, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de révolution, nous sommes seulement un changement politique, côté nous renversons le gouvernement, et puis nous renversons le gouvernement, et puis nous n'avons pas de révolution. Bon, plutôt nous, là, nous avons parlé de petite révolution. OK? Mais le pas de révolution véritable, c'est il faut voir la grande révolution. Donc, ça veut dire vous changez toute structure pays au niveau politique, au niveau économique et au niveau social. C'est ça qui est véritable révolution. OK? Et là, même capable de dire que nous arrivons dans un carrefour côté, nous pas arrivés dans une boucle. Parce que ça va pas, pour comprendre que ça, il faut que c'est tout un historique. OK, c'est pas un barre qui vient comme ça, faut faire l'histoire pour qui ça mené à Sanongue là, ouais ça me dit. Donc dans toute l'histoire d'Haïti, on capable dire qu'il y a une petite boucle côté où dire ça a changé gouvernement tout le temps, donc on parle de petite révolution, mais véritable révolution, parce que c'est changer politique, économique et sociale, c'est ça que tout le monde a aimé. A dit tout le monde a aimé parce que là ça a touché tout le monde. Parce que ça, on peut besoin, ça, il a besoin comme si il a besoin de la santé, il a besoin de vos petites l'école, il a besoin que dans le frigidaire, il y ait une boîte lettre, un pain et viande, et pour le cachita, sous tabac petit lit avec madame Li, avec famille pour le manger, c'est ça qu'on ne peut pas attendre. Et donc, avec sécurité, tout ça. Donc, l'opère de révolution véritable, nous-mêmes, c'est pas arrêté. Comme si j'étais gouvernement, j'étais M. Préval, j'étais M. Aristide, j'étais M. Aristide. C'est pas ça. C'est petite révolution, ça, pas utile à rien. Nous-mêmes, ça, nous pensons que c'est ça qui pas arrivé actuellement là, qui fait que tous les problèmes dans le pays actuellement là, c'est que nous pas arrivé non niveau côté. Nous pas ouais que nous faisons erreur et que c'est toute famille haïtienne là, qui peut mettre tête ensemble pour changer véritablement. Et situation pays d'Haïti. OK. Kounyan la, Jondilan, n'a pas gardé nous, tout côté, tout le monde a parlé de révolution, comme vous anticipez. Nous, même à travers le parti révolutionnaire, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que nous partagez l'idée révolution? Non, c'est ça. Ça veut dire que faut qu'on en révolution, mais nous parler de grande révolution, ça veut dire que faut qu'on change tout le système pays. OK, donc mais c'est pas ça qu'a fait là. Donc c'est deux monde qui prend non révolution hein, pour comme si pour mettre devant et puis pour dire que c'est révolutionnaire alors que c'est pas ça révolutionnaire d'autant plus que quand essaye de monde qui dit révolutionnaire, il était commencé en bagaille en 2004 et puis ouais que le commencé au niveau du nord, le revenu au niveau Saint-Marc, donc gon entité X qui dit au campé, au campé, et puis qu'on est là, il va continuer. Parce que le révolutionnaire, là, lui-même, mettre lui, il va gagner mettre. C'est seul mettre, c'est conscience. C'est conscience qui met tout. C'est pas, ou pas gagner dictat pour prendre dans mes personnes. Parce qu'il faut gagner conviction dans ce qu'on fait pour aller de l'avant. Docteur Jean-Gilles. Il y a quelques temps là, le pays a connu de moments extrêmement difficiles qui prennent la guerre dans une crise généralisée, une crise chronique que nous vivons là, je ne veux dire. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, à travers le Parti révolutionnaire Kiskeyen, qui lecture que nous faisons de dégradation paysan, dernier moment, ça, nous sommes capables de dire pendant les derniers trois ans et demi. Mais. Pour tout le monde qui attend de mieux là, je me pose une question. Est-ce que vous voulez entendre la vérité? Ou bien est-ce que vous voulez toujours rester dans le temps de monde qui a bien menti? Parce que nous-mêmes, nous sommes toujours d'accord pour dire que l'honnêteté est la meilleure politique. Donc, c'est honnêteté pour gagner, pour faire le monde comprendre ces deux situations, pour nous suspendre dans l'état émotionnel. Pour nous laguer mon état émotionnel, pour faire mon faire n'importe qui bagaille, et puis pour pas dire mon vérité qui l'a vraiment. Parce que là, c'est vérité qui pour permettre tout et sortir dans soi. C'est ça qui fait nous une devise qui dit que vérité c'est liberté.
Donc la vérité rend libre, ça c'est vérité a qui pour la liberté a permet tout et arriver côté pour arriver a dans on mieux être. Alors pour nous comprendre situation actuelle là, faut nous font retour dans le passé. Mais avant ça, moi-même moi c'est formation. Moi-même moi songe que l'homme parle pour un premier grade maçonnique moi, ça gagne plus que 25 ans. Et que vénérable qui t'a initié non OK bon j'ai chance vénérable là qui t'a montré ma collade là OK à l'époque papa c'est docteur André Jean Gilles c'était grand maître du grand en Haïti vénérable là dit ouais et frère Jean Gilles ma bo accolade fraternelle ça ouais accolade ça sous fait me tomber on va tomber avec si moi-même lui-même s'il fait me tomber tout moi-même l'a tomber tout lui-même donc ça veut dire c'est youn et de l'autre pour permettre tout aller de l'avant par exemple gain un tableau qui était dans palais c'était Guillaume le Tiers c'est un Guadeloupéen qui français qui était fait lire créer le serment des ancêtres et maintenant tableau ça ou un accolade. Alors, c'est un accolade maçonnique, mais son parti dans l'accolade là. Côté où est que Jacques Dessalines avec Alexandre Pétion ensemble. Et puis, au-dessus de deux de personnages, où est triangle et étoilé, ok? Et triangle lumineux, côté où est accolade ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que entre noir et mulâtre en Haïti, c'est toujours gagné sa rivalité mais rivalité ça est toujours équilibré donc toujours un équilibre dans toute l'histoire d'Haïti grande rivalité au moment c'est noir qui prend pouvoir au moment c'est mulâtre mais toujours une collaboration et en 57 ou gagné et président François Duvalier li monté avec idéologie noiriste alors faut comprendre tout que idéologie noiriste non li sorti de racines c'est l'indigénisme qui prend naissance après 1915 côté tout haïtien a dit que bon après ça crive nous là n'a baissé font retour à la source pour nous capable et venir et solution à problème nous à cause de problème occupation ça qui ça qui porté qui ça fait que vingé occupation ça qui ça ne pas nous dédo fait qui que nous pas fait qui fait nous vingé occupation ça donc indigénisme c'est racine non et li bay un paquet de branches li bay branche et nationaliste non li bay branche socialiste non et li bay branche noiriste non par exemple branche et nationaliste non ou jeune ou jeune docteur et Prasmas par exemple dans branche et socialiste là où jeune nous te cité tout à l'heure là et de Jacques Séphine Alexis d'ailleurs c'est dans branche ça côté jeune PCQ OK donc parti communiste kiskéen hein? Et branche et nationaliste là et alors branche et noiriste là où vienne Louis-Mère Denis avec François Duvalier mais le François Duvalier prend pouvoir avec idéologie ça noiriste là c'est pas une idéologie alors c'est Ludou qui ça c'est majorité comme nous majoritairement c'est nous noirs pour foncer donc Ludou que c'est noirio qui pour gagner pouvoir mais c'est toujours en collaboration avec mulatte là parce que collaboration ça il toujours existé well mais c'est pas idéologie ça que docteur François Duvalier l'a appliqué plutôt une idéologie égocentrique que les duvalierisme qui lui-même c'est une exclusion il fait de mulatte là au niveau de scène politique en Haïti et qui vient lui faire alors gain équilibre rivalité ça. Donc il crée un massacre au niveau de classe mulatte là, il exile un paquet intellectuel haïtien noir et mulatto.
Et ça qui arrive qu'on est là, c'est que au niveau économique, ils viennent mettre une autre classe sociale qui est dans le pays d'Haïti, qui c'est Haïtiano-Arabio, qui était déjà toujours là depuis 1900, mais qui n'a pas jamais eu d'expansion ça au niveau économique que Duvalier vient mettre. Donc ça vient arriver que on vient dans Duvalier dans père et fils, on vient de monter de Haïtiano-Arabio dans l'aspect économique pays. Après Duvalier, avec Duvalier Isna, on vient de s'arrêter un régime totalitaire au niveau politique. Mais après Duvalier Isna, on vient de s'arrêter néo-Duvalier Isna. Côté qu'on est là, après Duvalier, on vient de gagner même classe sociale, classe haïtiano-arabio, qui eux-mêmes, ils sont plus capables de toujours qu'un pouvoir économique. Ils permettent de financer plusieurs monde classe populaire là qui c'est des élites lettrées qui ingénieurs avocats tout ça et gagne même qui pas même gagne diplôme même puis permet yo arriver sénateur député président tout et directeur tout bagage ça yo après que qu'on y là vinn gagne on monter on l'autre classe populaire et au niveau politique là ou vinn gagne qu'on y là Monsieur Sao, c'est toujours comme si on sort de cercle vicieux. Côté toujours pour kembe pouvoir, toujours pouvoir. Donc, monsieur, qu'on est là, il vient pour retourner vin sénateur, député, tout ça. Il vient créer des gangs. OK, donc là, qu'on y a là, grâce à pouvoir que vous gagnez, donc l'argent que vous gagnez. Lorsque vous gagnez l'élection, vous vient gagner, c'est de personnage je mettais dans une série de cités comme si côté qui gagne pile mounio je mettais un paquet de monde qui gagne zam pour créer gang. Donc à ce moment-là qu'on est là gang ça yo vio vin en pile parce que grand pas le sénateur député qui prend son monde tout temps ça fait que comme si nado là que même ou gen même moun sa yo comme si ndado la ki nan classe haïtiano arabe konye la yo vin pou protéger tête yo tout vin gen avec gang kap kreye et gang sa yo konye la vin tellement en pile que yo vin konye la vin renforcer tête yo et puis yo vin gagner ça tout ça parler là de JPEP de tout bagay sa yo. Est-ce que ça t'a veut dire c'est une bataille économique là qui rend que nous rivé là bataille classe sociale. Bataille classe sociale, oui. Les bas économiques. Politique là, je suis politique là, je suis économie, je suis politique. Je suis politique. Donc ça veut dire que si vous voulez gagner économie, il faut que vous gagnez contrôle politique là, et si vous voulez qu'on gagne contrôle politique là, il faut jouer sur l'économie en tout. Et ça rentre tout dans la richesse que le pays a lui-même, les gagnants qui peut exploiter. Exactement. Parce que Haïtiano-Arabio, pour qui ça eux-mêmes, et au niveau économique, c'est même si c'est import-export qui est toujours intéressant. Parce que c'est toujours mulatte noire qui gagne terre. Élite noire, élite mulatte qui est toujours gagne terre. Mais lorsque vous n'y a ou même ou pas gagne terre, parce que on prend par exemple des joueurs, par exemple, qui parlent de la politique de la terre, la seule la vraie, mais des joueurs sont équipés plein terre, qui s'il te prend pour lui-même, c'est production nationale que lui-même est à pouvoir. Mais monsieur Sao, OK, c'est moun qui pas de gainter. Donc et yo font dans commerce, yo fait import export, ce qui ça qui crase production nationale là. Alors gen moun qui pas parler de politique néolibérale tout bagaille ça tout. Mais c'est ça qui rivé. Alors tout bagaille ça yo fait que avec bagaille gang ça là, ou vin rivé dans situation ça qu'on gen dans pays là. Donc qu'on est là. En où elle est fait pour moun bien comprendre, ça va expliquer là. De Jean-Jacques Dessalines à François Duvalier, vous passez au moins 28 présidents. Alors, peut-être qu'il y a deux présidents éphémères que nous ne pas compter. Mais sous 28 présidents, vous avez 13 présidents mulattes, 15 présidents noirs. De François Duvalier à nos jours, tout président qui passait, tout c'est noir. Enfin, sans compter que tout sénateur,
tout député, ok, donc c'est tout tout monde noir. C'est à dire que nous venons faire qui ça dans le pays d'Haïti, nous venons faire une sorte de discrimination politique et vis-à-vis de classe mulatte là. Donc c'est une sorte de apartheid lié. Non mais est-ce que c'est pas parce que tout et un peu le fois mulatte et pas fait pour tout et ou bien population pas fait au confiance tout qui fait que y a pas jamais arrivé tout bon vrai capable gagner président ce pays là. Mais ça n'a pas suivre là. C'est la faillite de la classe noire. Mm-hmm. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est pas la classe mulatte qui ont le pouvoir. Mm-hmm. Faut, parce que m'y explique que gon rivalité. C'est pas que mulatte la pi bon que noir là ou bien noir la pi bon que mulatte là, c'est pas ça. Rivalité avait dit que comme si Nadou là deux moun là, OK, youn a vé sous l'autre. Youn a dit et youn a y a travaillé ensemble, mais attention. Ou font pas qui pas ça. M'pas d'accord. L'autre là dit attention, font pas qui pas ça, m'pas d'accord. Donc si donc, rivalité ça fait que comme si Nadou là ou pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Par exemple, corruption, pas capable de faire n'importe qui genre. Parce que classe ça, qui nous a dit que je ne suis pas d'accord pour faire corruption comme ça. Comme si à ce moment-là, qu'on y a corruption a diminué. Ou pas capable de faire monopole ça, que c'est de élite et oligarque ou vingé dans le pays. Côté un monde comme si Nadou là, il y a un commerce, c'est le cap importé ces deux produits. Un jeune qui nous a dit comme ça que lui-même il fait étude li, et que lui-même il besoin, li besoin comme si. Produit ça rentrer pour le café cobli yo dou pas ka dédouaner pour qui ça parce que monsieur tel gagne produit ça la vendre donc rivalité ça que nous perdu a fait que nous rivé dans situation ça donc qu'on est là par exemple lors du matin un historien qui a dit comme ça que dans toute l'histoire d'Haïti nous pas que j'aime rivé dans ça pour qui ça parce que j'aime dou lia nous toujours gagne au niveau politique une collaboration entre noir et mulatte. Et collaboration ça avec François Duvalier qui vient créer déséquilibre là où vient qu'on n'a pas gagné du tout encore côté c'est la qu'on a ces classes noires là qu'on a là qui prend pouvoir depuis plus de 75 ans qu'on y a arrivé dans bout là qu'on y a ou pas au passé de Duvalieris là à néo Duvalieris là qu'on y a pour tomber dans l'anarchie. Donc là où vient tomber dans l'anarchie qu'on y a là qu'est-ce qu'il faut faire eh ben qu'est-ce qu'il faut faire là qu'on y a là c'est retour c'est faire ça qui est dans le système politique là faut ou comme si ou retourner dans l'équilibre là par exemple je vais vous expliquer un bagage. Regardez ça qui passait l'autre jour là avec madame Dupuis, une jeune dame très brillante qui a fait travailler excellemment à l'étranger ou mettez lui comme membre conseil provisoire tout le monde a couru d'elle. Ils ont même menacé Fonmini, boule tout le monde pour qui ça? Parce que, il n'est pas clair. Il a dit que son exclusion de classe mulatte là, dans la politique là. Donc, on vient créer un déséquilibre. Déséquilibre côté une seule classe prend tout le pouvoir politique là pour faire ça le blé. Laisse ça qu'on y a là. À ce moment-là, pas grand qu'un contrôle, pas grand qu'un équilibre. Qu'on y a là, on vient à cette spaghetti là, côté une rentre dans l'autre, une rentre dans l'autre, qui fait comme Zinda là, pas grand. Pas de balise du tout pour nous faire n'importe qui bagage. Est-ce que nous t'as dit pratiquement tout, c'est ça qui est à la base et série de problèmes ça yo, parce que classe économique là, particulièrement et moun, de couleur yo moun nou les mulatte yo et vu à ce que yo comprennent yo pas qu'à occuper espace pour occuper yo par exemple privé comme président pays depuis un certain temps et bien là yo dit tête yo comme nous pas qu'à président et même grand grande bagarre que nous avons fait c'est pour essayer bataille face à classe politique ça pour nous chambarder pour c'est nous qui contrôle le pays en tant qu'à venir. La lutte des classes fait partie de l'histoire de tout pays. Mm-hmm. Ou pas capable de mettre de côté ça, pourquoi moi même m'a expliqué les bagarres ça que ou pas tant de monde a parlé parce que nous arrivons dans une situation côté où on classe politique qui ces deux bagages vous voulez faire tout le temps, il a fait tout le temps. Il a volé et puis il a menti. Tout ça dit que nous-mêmes nous venons avec la vérité, avec comme si nous avec toute honnêteté nous. Et c'est raison ça qui fait peur que créer.
Ça dit que même moi dit chita dans clinique moi et pour moi me réveiller le matin pas capable travailler encore parce que monsieur a crasé pays là. Donc non, ça dit faut, et puis tout ou gen wa on me réveiller tout. Jean Rodou là que même quand on comprend ou bien parce que on un bon milieu comme si un bon quartier, quartier vient sale et puis qu'on est là ouais banque grande vient va payer parce que blanc lui même là le gros problème. Li examiner problème là pour jouer une solution même le problème là il y a répercussions dans 20 ans mais nous même n'a pas c'est les problèmes là viennent devant nous pour nous même nous chercher solution par exemple dans affaire du Val de Varissa on a deux bagailles deux cicatrices qui étaient dans le pays premièrement nous on sait que deux pour monde pour clair ou pas capable député ou pas capable sénateur ou pas capable président. C'est ça c'est une tant que donc on mettait à l'écart une classe sociale dans la politique là. OK? Ou est-ce que arrivé Boulos rêvé sénateur mais monsieur font gens quand même pour le dire ça que lui même les nationalité américaine. Alors que président Matéli tout le monde dit que monsieur gain nationalité américaine mais il rêvé président toute bagaille. Donc ça dit que il y a créé une exclusion classe sociale. Gon l'autre bagaille encore c'est que il faut comprendre que depuis mon n'a pour clair sont étrangers liés. Par exemple, monsieur Joseni, bon artiste que nous connaissons bien. Moi comme si tu jeune posé la question, il était en l'école, il finit chanter pour eux, bah il a posé la question et puis il y a un petit monde demandé est-ce que ils sont blancs? Est-ce que ils sont étrangers? Pour qui ça? Parce que il n'est pas clair. Pour qui parce que jeune là ouais que tout le monde qui dans direction pays là, quel c'est directeur, quel c'est ministre, quel c'est sénateur, tout ce monde qui est pour nous. Donc monde n'a pas clair là qu'on y a dit ah bon, nous sont étrangers. Alors que toute l'histoire d'Haïti bah que l'histoire d'Haïti que c'est noir et mulat qui fait révolution. Dessalines pas qu'à faire révolution sans Pétion et Pétion pas qu'à faire révolution sans Dessalines. Donc là qu'on y a et c'est faille ça oui que blanc lui-même exploité qui fait que le carré fait ce tout ça le faire là parce que les vin ouais que ou vin une classe sociale qui c'est pas pays qui est important pour lui ça qui est plus qu'important pour lui c'est comme si c'est fait l'argent c'est bien menti et que à ce comme si là qu'on mon comme si ouais comme si là mon blanc l'armée pour la baisser tête lui OK dernièrement là ouais a dit que ça qui est important pour nous c'est ça blanc dit c'est pas une colonne pour capable de se tout pour dire blanc, pas d'accord. Et que, il y a une faille là. Donc, faille ça qui gagne dans le système politique là, fait côté son seul classe. Parce que, on prend tout pays. C'est plusieurs classes sociales qui équilibrent politique là. Mais, ou pas quoi tout, c'est parce que, quand on parle de l'île là, un peu le foie avalé, à capable de toute richesse pays là, et pour eux-mêmes seuls. Lorsqu'on a une série de contrats, peut-être qu'on joue dans un pays pour être capable de développer le pays à une série de niveaux. Et on n'a jamais exécuté l'ouvrir, ça pour une jeune population, on n'a jamais venu arriver jeune. Et qui la cause que ça a privé? Et alors. Si on a voulu prendre un contrat à courant électrique là seulement. Oui, alors c'est ça. Comme si. C'est pas écrit. Alors, ça nous connaît une réflexion haïtienne qui de sorte qui bat imbécile qui ne prend pas. Ou avec nous là. Ça dit que. C'est pas Milat là, c'est pas Asiano Arabe là qui directeur général. C'est pas eux ministre, c'est pas eux député sénateur, c'est pas eux qui prend décision. Yo. Donc c'est ça me dit, ça dit que yo prend série de monde qui ça qui intéresse c'est pas pays là, ça qui intéresse plutôt c'est poche yo. Yo prend yo exploiter yo pour faire ça voulez. Mais gon bagaille, le par exemple faut une différence quand même pour nous faire entre Mulat là avec Haïtien arabe. Par exemple, Mulat là lui-même c'est un c'est européen, hein, OK, qui sort soit en Italie, en France, en Espagne, en Pologne, OK, qui vivait et une île avec un Haïtien ou avec une Haïtienne. Pour qui ça fait mieux parce que l'Europe c'est chrétienté. Or en Haïti, bien que nous parlions de syncrétisme, on n'a pas de croyance, mais nous avons une chrétienté là. Donc, ça n'a pas un problème que effectivement, que européen qui a identifié avec la chrétienté, chrétienté et que qu'on est là, il y a une union entre blancs avec noirs, ou bien avec nègres, avec noirs là, ou bien noirs là, pour qu'on est là pour créer mieux l'Atlas. Ce n'est pas un problème. Mais,
Haïtien arabe, le problème qui passe, c'est plus que problème culturel. Dans ce sens que eux-mêmes, c'est musulmans. Donc, nous pas musulmans, pas, c'est pas en culture que nous connaissons. Il y a deux trois monde qui est musulman en Haïti, mais c'est pas en culture que nous connaissons. Donc, ça, il y a un frein qui fait que la classe ça vit en vase clos. Côté lui-même, c'est plus, c'est entre eux-mêmes, comme si nous avons la priorité. Et que lorsque yon la de yon kounye la, et se unir avec un haïtien ou un haïtien, et puis la même classe a marginalisé li. Donc, gon distingue pour faire. Parce que même entre yon même tout, entre yon même yon problème tout. Mais entre yon même yon problème. Ok? Donc, parce que plusieurs classes sociales, ça yon ap goumé, pour yon capable de contrôler scène politique là, scène économique là. Donc tout bagage ça yo, sou pas comprendre yo. Ou pas ka comprendre problème à ce problème là que couvre les coupables son problème de classe sociale parce que l'histoire continue. L'histoire là, il y a des boucles que il fait, OK, des petites boucles comme nos petites révolutions ou bien des grandes révolutions, mais l'histoire continue, pas comprendre que bagage wa pour là et que comme si n'a là li pas une explication dans le passé. Par exemple, là, où vient un mécanicien? Mécanicien, pour moi, il parle de si la machine a un problème, mais je vais m'expliquer sur qui j'en fais arriver. Mais même que le docteur, il faut me poser une question. Depuis qu'il est malade, pour être capable de jouer, ça à l'amnèse, pour être capable de jouer une histoire là. Si vous ne cherchez pas histoire là, ou courir d'emblée qu'on est là, pour chercher à comprendre la scène politique qui a vu là actuellement là, vous ne vraiment pas vraiment comprendre la situation vraiment. Bon. Et je comprends, côté que vous voulez aller, idée que vous voulez faire passer, hein, soit vous voulez véhiculer. Et nous-mêmes, à travers révolutionnaire et parti révolutionnaire, qu'est-ce qui ça nous dit en ce sens? Alors, pour conjuncture. Non, mais si tu as parlé là, question de bataille qui existait entre deux classes dans le pays, et je veux dire, qui est de nos côtés que nous sommes là. Qui... Non, eh bien, il faut qu'on rééquilibre. Il faut qu'on rééquilibre dans cette politique-là. Parce que c'est ça qui parle mener en confiance. Parce que j'en dis vraiment, et après 75 ans de règne classe noire là, qui parle maintenant, hein, nous sommes là. Donc effectivement, il faut qu'on ait un gouvernement sérieux, qui est honnête, qui prend pouvoir, et qui pourrait équilibrer lui, pour réhabiliter. Est-ce qu'on connaît que Dessalines, à la mort de Dessalines, c'est 42 ans après que arrivé cité non Dessalines. Que Pétion avec Boyer et comme si yo mettait comme si histoire de Dessalines tout bail ça mettait sous côté. OK, donc une sorte de ségrégation. C'est avec Pierrot que ou commencé à entendre parler de Dessalines. Donc 42 ans, le père de la nation. Donc c'est même pas la qu'a fait là, ça dit que plus de 75 ans comme si de puissance classe de classement là qui prend pouvoir et politique là, ça dit que ou pas attendre du tout parler de classe militaire là au niveau politique. Bien entendu, quelques fois qu'on entendait un mulâtre guinois ou bien un guinois et par exemple par exemple, un ministre comme ça, mais ça, c'est pas un individuel, mais c'est pas classe à lui-même qui lui-même est classe sociale, ça qui lui-même, comme si nous allons là, qui met ensemble et puis qu'on est là pour résoudre pour capable rentrer dans cette politique là. Donc, ça dit que faut qu'on rééquilibre les bagailles là pour capable sortir dans les bagailles là parce que faut que tout le monde la donne. Et c'est peut-être ça, par exemple, nous-mêmes, l'on a parlé de parti révolutionnaire qui se crée. Par exemple, on a fait une conférence de presse ou tout ça, où il y a des deux mondes qui ont parlé, une étoile jaune, qui est l'étoile jaune de Kiskeya, qui représentait l'union de tout le bagage dans le pays. De noirs, mulâtres, croyances autochtones africaines. Parce que c'est unité à chercher dans le pays. Ok, si nous pas gagné unité au niveau classe politique là, si nous pas gagné au niveau classe économique là, nous pas capable briver comme si nous à solution que nous fiché. Mais sans parler là, c'est problème conjoncturel qui a rapport avec politique, avec économie.
Mais gros problème perpétuel que bon, nous gen wa pas abordé comme si dans l'émission hein. Mais problème perpétuel ça, son problème culturel lié et que problème culturel ça si ou pas résoudre li, ou pas retourner tout le temps avec même problème culturel ça tout le temps. OK, ça dit que problème culturel là, li aussi important et beaucoup plus important encore que problème culturel là. Parce que faut résoudre problème et François Duvalier il servit de problème culturel là pour qu'il ait pouvoir. OK, ça va lui servir pour qu'il ait pouvoir. Donc ça dit il servait pour qu'il ait pouvoir alors que lui même encore dit comme ça que problème d'Haïti c'est fondamentalement un problème et culturel mais lui même il servit de problème ça pour qu'il ait pouvoir. Well, donc ça dit que donc là nous guinois peut-être aborder mais pas aborder sin pas gain temps mais problème conjoncturel actuellement là qui intéresse nous là sur scène politique là et sur scène économique là problème conjoncturel ça faut le résoudre donc faut ou gagner sécurité dans le pays d'abord et puis tout faut ou gagner élection et donc faut gagner de bagages ça qu'on est là pour aller de l'avant comment nous capable avancer non ça ça gain plusieurs propositions alors première proposition donc c'est des propositions. C'est une proposition avec PPD, donc Parti Petite Dessalines, avec Monsieur Philippe. Sans une proposition qui m'a, qui était toujours, moi-même, j'ai toujours dit son proposition mornée. Morné pour ça? Pour qui ça? Parce que si on monsieur concours et Monsieur Philippe, t'es point pouvoir le point, les points net. Mais même pas de gens qui comprennent qui gens et leader PPPDA fait entrer dans logique unie comme si fait à cause ça pour bah monsieur Philippe pouvoir parce que il tape tout qu'il net et puis qu'on y a fait élection tout bagage ça tape peut-être dans calendrier grec parce que il tape font gens quand même pour qu'il ait pouvoir parce que un monde qui gagne qui fait qui cherchait pour pouvoir par les hommes ou qu'a fait toute bagarre. Ça c'est pour professeur mathématique qui te dit nous qui peut plus peut moins. Sous qu'a fait plus qu'a fait moins. Là dit son gagne nous prend pouvoir chercher pour pouvoir par les hommes pour faire un gouvernement pour faire un gouvernement tomber et bien qu'on y a ce pouvoir on est là. Pas de raison pour pas tout Kembel. Donc ça dit qu'on ne peut pas le faire tout gens que redoucer peut pas le faire on pas le faire tout gens pour Kembel. Donc ça c'est une proposition comme si nous n'allons pas comprendre sens li pas comprendre à quoi et où est finalement ça qui passé ouais ça me dit parce que go faut qu'on gagne alors tout ben ça gagne rapport avec idéologie. OK, faut qu'on ait conviction dans ce qu'on fait. Il faut qu'on gagne idéologie, faut gagne conviction idéologique, conviction politique pour aller de l'avant. C'est pas une conviction hein. Ou mettre en tête que c'est politique on va faire et à ce moment-là et qui politique encore à ce moment-là qu'on est là on va virer en politique sans conviction à ce moment-là on va virer à gauche à droite tout le temps. Et nous voyons ça plusieurs fois dans ce qui a passé dans le pays là. C'est le monde comme si nous avons pris une position, après ça, ils ont viré à gauche, ils ont viré à droite. Parce que, mais même, on est dans le pays actuellement là, qui dit que c'est politicien, mon cher, bon, est-ce que on est ça, capable, est-ce que ou fier de tête, ou bien est-ce que, ou quoi dans ce qu'on dit? Parce que l'on dit que comme si nous avons politique le BA bas que c'est après jeune national dans l'université de Bayes c'est organisation de la cité on peut écraser je écrase là ou pour être pour dire pour politicien mais même tout dit monde ça je dis moi dis pas un politicien moi gain on pense moi gain pensée révolutionnaire pas qu'à dire que moi c'est révolutionnaire parce que c'est pas aller à qui révolutionnaire c'est ça on va faire. Ce sont les actions, c'est preuve, faut qu'on ait preuve que de ce qu'on va faire, ce sont les faits. Par exemple, il n'y a pas de Fidel Castro, c'est fait, c'est ça le fait. On parle de Thomas Sankara, de tout l'autre monde, c'est ça le réalisé qui dit que révolutionnaire. Moi-même, qui est-ce? Qui dit, mais qui est-ce que vous exactement, à travers ça, il fait. Ouais, ça me dit.
mais même pas qu'à dire révolutionnaire, même là on n'a pas eu de parti révolutionnaire, nous sommes capables de dire que nous avons une pensée révolutionnaire, une pensée de changement véritable. Mais qui est ça qui empêchait que nous-mêmes, à travers le parti révolutionnaire, qu'est-ce qu'il y a, nous essayons de matérialiser, penser ça? Bon, c'est justement, nous-mêmes, nous dit que c'est à travers les urnes pour nous prendre pouvoir. Et c'est ça, oui, que Nelson Mandela fait. Il prend pouvoir à travers les urnes. Au début, il commençait avec, comme si, avec il prend les armes, comme si il n'avait pas. À ce moment, les lois n'ont pas arrivé, puis il prend prison. Il dit que, bon, finalement, la meilleure solution, c'est à travers les urnes. Et à travers les urnes, il prend pouvoir, et puis qu'on a fait tout changement. Il change la constitution, il change le drapeau, il change le symbole. Et on est là, au niveau politique, au grand équilibre entre blanc et noir, au niveau en Afrique du Sud. Que, alors que longtemps, toute domination, c'est seulement blanc qui a dominé, alors que grand majorité noire. Donc, on est là, on a un équilibre, ça, mais c'est par les urnes qu'il prend pouvoir. Et il prend pouvoir par les urnes, parce que l'arrivée fait, on va équilibrer et une solution de sagesse, l'arrivée fait, on va équilibrer commission, vérité et réconciliation. Parce que, imaginons que on y a là, Nelson Mandela a dit, le président était clair, ah mon cher, arrivez-moi sur le pouvoir, je vais le mettre dans la prison. Bon, à ce moment-là, qu'on y est là, Nelson Mandela n'a pas d'argent pour le pouvoir. Ouais, ça me loue là. Donc ça dit que il arrive à une situation côté yo équilibrer les choses, OK, solution de sagesse, et c'est pas seulement en Afrique du Sud, yo fait commission vérité réconciliation, yo fait à travers plusieurs pays, OK, Rwanda a été fait là, yo fait le Chili, yo fait en Argentine, yo fait dans plusieurs pays démocratique du Congo, côté gagne essaye de crise qui est tellement profonde ou pas capable aller comme si pour faire ou qu'on dit comme ça ou pas faire une justice côté ou pas commencer et mettre mon en prison ceci cela parce que même quoi que en Haïti obligé faire une commission un monde qui honnête et qui comprenne ça qui gagne pour faire. Grand pile moun ki n'a pas d'accord avec, mais c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est ça pour qui bien pour pays. Faut que nous fait ça elle est amnistie générale, donc on fait une commission vérité réconciliation. Alors amnistie générale au niveau financier, pas au niveau pour, alors pas alors pour crime financier, pas pour crime de sang, parce que là crime de sang n'a pas quitté justice ce travail parce que ou tuer un mère de famille, ou tuer un père de famille, ou tuer un soeur, un frère, un président, un bâtonnier, un paquet de l'autre, un journaliste. Non, donc ça, fuck, juste ça, je vois le. Mais peut-être que c'est le premier parti politique qui parle de bagage ça, pour gagner, ça a été une commission de vérité et réconciliation au niveau, pour grand ministre général, au niveau crime financier. Parce que, imaginez, quantité de monde qui passait dans l'État, ok, qui fait la corruption. Et quantité d'institutions privées qui fait la corruption. Mais ça a tellement mis l'administration de l'État à genoux. Est-ce que Amnesty General a parlé là? Et nous allons arrêter comme ça pour nous garder, nous dire ok, c'est du passé, c'est fini, et s'arrêter là, alors que tout ça que tu es capable de nous développer, nous perdu tout. Comment nous allons retourner travailler encore pour nous retourner créer richesse ça? Mais nous disons ça déjà, depuis au début, l'honnêteté est la meilleure politique. Nous ne pouvons pas faire démagogie pour nous arrêter pour nous dire comme ça que, ou un parti coupé qui a pris le pouvoir, et puis qu'on est là, comment ça arrêter un tel. Quand vous dites ça, ou pas capable, ou pas capable d'arrêter tout le monde. D'ailleurs, même les gens qui capdou ça, capable de prêter challenger, tout bagage, yo pas capable d'arrêter tout le monde. Non mais on regarde et Burkina Faso. Ibrahim Traoré, capable de fonder garçon, les depuis ces monde qui t'occupe en fonctionnalité, qui connaît que ou t'es fou et mais
dans caisse l'état où tu volé comme pays nous bon 72 heures de temps pour porter temps retourner dans moins que 72 heures de temps ils ont récupéré en quantité millions dans menèg qui te prend comme pays. Oui, c'est ça. Eh bien, qui ça qui est possible là? Le pas dit que la baie amnistie générale et le niveau ça au report la pile. Non, les méthodes devant fait accompli et le connaît. Ouais. Mais même j'ai pas il pas jamais mon note connaît qu'il devrait aller dans direction ça. Jean même moi concevoir comme si politique là, c'est honnêteté là, c'est tout ou rien. Ou bien on capable une justice pour tout le monde ou bien pas baler du tout. Là ou mec, faut t'en mettre 3 cas, tout le monde, que directeur général, que ministre, que sénateur, faut t'en mettre au moins 3 cas, mon zot, faut t'en prendre prison. Faut t'en qu'on y ait là, plus de la moitié d'institutions privées dans le pays, que t'as chemin. Non, mais faut que c'est institutions de contrôle, par exemple, UCREF, ULCC, Cour des comptes, c'est des institutions qui supposaient faire travail comme cela se doit. C'est institutions qui fait travail. Li pa on di li pa on bagay ki difficile jwa m di la la non docteur Jean-Gilles la ou ap essayé montrer difficulté ki genyen pou ta capable kon tout moun ki te occupé en série de fonctionnel l'état ki gagote l'argent l'état ki prend comme l'état ki gère affaire personnel yo mais si institution ça on parle institution de contrôle yo fait travail yo convenablement chaque le bureau faire audit yo gen pour faire audit dresser rapport sou x ou même ki nan tête l'état ou ap konn li et ou ap konn ki sa doit faire non mais vérité vérité, commission vérité et conciliation, c'est ça l'a fait. Oui. La mettre tout le monde devant le fait accompli, que vous avez toute preuve dans mon tout bagaille. Mais alors, mon papa m'a toujours dit, il toujours dit que le voleur volera. C'est-à-dire, le monde qui vole, il continue à voler. Vous avez dit c'est-à-dire que si. Ça va garder comme autorité, il y a une peine qui est réservée pour lui. Non, je m'explique. Si par exemple, qu'on est là, vous faites commission vérité et réconciliation pour mettre à zéro et. Donc, au fond amnistique, vous mettez peine 0 à 0. Je ne parle pas de crime financier, je ne parle pas de crime de sang. Bagay ça ne pas prendre un bagay ça, parce que bagay ça, ou pas de pouvoir pour bagay ça. Okay? Mais pour crime financier, je vais expliquer là. Si par exemple, au fin, comme si, au fond amnistique, et puis, mon a compris que son jouet lié, et que qu'on est là pour même Mounsa encore à comprendre puis au vin faire même bagarre encore à ce moment-là non seulement Mounsa va condamner Mounsa mais en même temps tout même on va ouvrir tout ancien dossier li pour qu'on y a là pour faire justice à triompher c'est comme ça parce que j'aime de l'IA nous en crise très profonde et c'est raison ça qui fait ouais on paquet de partis politiques. Non seulement gagne fois mon fait parti politique ça comme si eu besoin retourner au pouvoir mais gon peur que comme si n'a là que si effectivement ou prend ces deux monde qui prend pouvoir que le gon ça que bon et yo pas le faire comme si enquête et puis qu'on est là yo pas le juger et puis yo pas le prendre prison donc même comme il faut comprendre n'a qui ça n'a pas expliqué nous même nous voulons en unité nationale. Mais pour y venir, parce que, ok, l'État perd du l'argent, mais les gens, l'État, car vous faites l'argent. Et si vous coupez à faire corruption, ou car vous faites l'argent, vous faites plus l'argent toujours. Ouais, ça me dit là, parce que vous arrivez à équilibre politique là, et qu'on est là, ou à ce moment-là, qu'on y a équilibre politique ça, qu'on est là, vous arrivez à faire ou capable qu'on est là, commencer à mettre frein à corruption, à la question du monopole, là, parce que j'aime vous dire, vous ne pouvez pas l'autre, vous ne pouvez pas travailler ensemble, mais vous ne pouvez pas l'autre, vous ne pouvez pas contrôler l'autre. C'est parce qu'on y a une classe sociale allemande, qu'on y a qu'à faire spaghetti, ma volé, couvrir. Seul l'heure où on a payé ça, où on a un crime qui fait au niveau finance, c'est là, une contre l'autre. Ouais, par exemple, dans le Sénat, vous avez contre l'autre, et vous entendez, bon, vous dénoncez l'autre, et puis vous entendez, bon, ou tandis que et tel te vole ceci et tel te vole cela parce que c'est un bagage qui entre eux mais si il y a plusieurs classes sociales vinn un équilibre à ce moment-là qu'on est là faille politique soit gain là que blanc jouer la donne pour capable faire ça faire à tout lui-même à ce moment-là le pape qu'arriver faire encore parce que là ou gain des hommes honnêtes youn cap veut l'autre pour qu'on est là pour aller plus loin ouais ça me dit OK. Pays a connaît de moments qui est extrêmement difficile
et ces derniers temps, surtout avec remontée généralisée insécurité, il y a un docteur Ariel Henry et dans campé loin, un peu le monde dit nous qu'a commencé conjuguer docteur Ariel Henry au passé et qu'on là véritablement c'est bataille pour mettre un conseil présidentiel. Qui côté parti politique révolutionnaire qui se gagne dans tout ça? Nous t'ai toujours dit ça que et ça nous fait plusieurs confiances sur ça déjà bien avant que bah arriver là parce que nous t'ai toujours dit ça que faut se réfléchir n'a réfléchir n'a penser pour pays là que nous dit que faut toujours plus proche de constitution et cour cassation c'est pas même une proposition c'est solution idéale là. Parce que c'est ça la constitution prévoit. Même là, on a dit que grand pile bail cap fait là et que comme si là qui pas tenu compte de cassation de qui pas tenu compte du tout de constitution hein? Mais constitution toujours là, je crois pas qu'on vient changer lui et c'est cour de cassation et là dit cour de cassation hein? Qui ça dit il dit c'est président cour de cassation hein? Parce que c'est des monde qui toujours veulent râler grâce yo il y a deux son juge dans cour de cassation. Ou pas qu'à dire son juge dans la cassation. Il a dit c'est président de la cassation. S'il pas, si lui-même n'a pas gagné, s'il a un problème à ce que. Alors, problème, il n'a pas de problème, problème santé ou même avec lui, pas capable d'exercer fonction président. À ce moment-là, qu'on y a là, l'autre juge, ou bien jusqu'à ce qu'on vienne, jusqu'à plus ancien, c'est ça qui dit la constitution. Moi-même, pas qu'on président de la cassation, ni en pète, ni en pétu. Seul bagage, c'est comme qu'on est, que, mais c'est ça que la constitution dit. OK, gen moun li même, yo dou kon sa on juge nan cour cassation parce que li zanmil. Li dou c'est cou ouais par exemple l'autre là yo dou kon sa que mettez monsieur Philippe Bagay dou mais qui juge moi? C'est pas possible, ou pas capable de dire kon sa c'est et tel ou vle, c'est pas ça qui dit nan constitution. Constitution dit ou que c'est juge cour premier président juge et président cour cassation. Parce que pour qui ça nous même nous insister sur ça parce que faut gagner un terrain neutre. Un terrain neutre, un terrain propice qui pour permettre la sécurité dans le pays et qui pour permettre tout qu'on y a pour aller vers les élections. Donc, quitte à ce que qu'on y ait là, au vin mon premier ministre de consensus, qui pas n'a qu'un parti politique, que quand qu'il soit dans la société civile là, quitte au vin avec le président de la cassation, ça, un collègue présidentiel de trois membres pour le président de la cassation avec deux autres membres dans la société civile là, qui a politique, parce que nécessaire soit fait à politique là. Parce que nous pas capable toute la semaine journée tout ça n'a fait pour nous voulez pour c'est au monde qui est en politique pour la transition parce que côté sens la gaza parce que c'est sûr que monde qui besoin à la transition qui n'ont parti politique les pas vous là chercher comme si pour cette classe politique qui prend pouvoir c'est normal. Pour qui ça, soudim, c'est la cour de cassation, docteur Jean-Gilles, et puis obligé d'aller dans le conseil présidentiel, côté que capable de gagner de l'autre membre de la société civile là, qui vient avec Mounsa qui sortit dans la cour de cassation. Non, parce que, il a dit, présidence là, faut sortir dans la cour de cassation. Et après ça, qu'on y est là, on a un bon premier ministre de consensus. Mais dans le cas que qu'on y est là, nous pas d'accord. A fait pour ministre, mais au moins présidence là sorti dans cour cassation elle est plus et ça n'a pas expliqué nous faisons plus proche de constitution. Non mais on parle de collège présidentiel trois membres pendant président sorti dans cour de cassation l'obligé de deux autres monde de société civile là c'est ça besoin comprendre. Oui mais alors c'est faut que nous plus proche de cour cassation et de constitution idéal là c'était bon c'est au Guinée prend président président de la cassation et puis un premier ministre mais il est capable tout gain deux membres tout ça veut dire que comme parce que constitution là mais de fait il pas appliqué vraiment mais ça n'a pas cherché ces terrains neutres là un terrain côté où pas gagner parti politique qui prend gouvernemental là pour à soi comme si dans un gouvernement qui qu'on est là pour chercher et contrôler l'élection quoi ça me veut dire donc ça veut dire que faut quand même ou passer par cassation hein. Donc bagay cap fait là qu'on est là et bagay conseil présidentiel à cette membre ça donc c'est tout un problème
qui pas du tout dans constitution pays là et bon il y a tellement de malhonnêteté dans bagaille là. Ouais, ça m'a expliqué là dernier on t'a parlé de madame Dupuis par exemple. Yo investi li et pour qui ça? Ouais, ça me dit là pour même ça m'a expliqué là, c'est-à-dire que son classe et politique qui voulait toujours qu'un peu pouvoir même lorsque li ouais que yo crase pays yo et puis qu'on est là si yo jeune un monde qui pas saute dans sain yo pas d'accord li qu'on a parlé de moun nan 34 ans 33 ans bon mais ou en dehors de la constitution c'est pour question de l'âge encore là ou en dehors de la constitution pas une constitution là encore comme si on a là prend sept membres fourrés ou dit que faut qu'il fait partie de conseil présidentiel ou pas dans la constitution donc ou pas capable de son encore bon à ce moment là même bon là bon comme c'est jouer au besoin jouer avec il y a rien à prendre blanc mettre le président pays tout parce que ou pas dans la constitution du tout là dit s'ouvrir dans la constitution être dans la constitution si qu'on y a ouvrir c'est dame on fait de la démagogie pour plutôt qu'on y a venir pays il y a plus problème qu'on y a là on prend des partis politiques youn s'adverser l'autre qui qu'on est là pour aller au conseil pour qu'on y a pas faire élection mais côté sens bagaille ça docteur Max André Gengil président parti révolutionnaire et qu'est-ce qu'il y a c'est avec les nappes décanté jodian docteur Gengil bon mando non m'a suivre en pile moi ouais intérêt qui manifester bon côté en pile parti et regroupement politique non façon que yo s'est organisé yo jumelé yo ensemble pour faire indication yo passé pour dire mais qui position que yo gagné c'est comme si me pas remarqué dans toute alliance politique qui fait yo et parti révolutionnaire qui ce et fait partie de yo moi tombé dans nuit ou bien pas non samedi c'est pas ça non c'est dire nous prend contact avec plusieurs partis politiques mais nous même nous pas mais même toujours dit tout membre parti donc non tout monde qui na parti a et nous d'accord ça tout que nous pas rentrer dans affaire comme si gouvernement de transition OK parce que nous dit que c'est dans élection pour aller pour prendre pouvoir OK donc affaire transition affaire comme si nadou là parce que là un parti politique d'où que les besoin mettre un monde non ministre par exemple pourquoi faire parce que un ministre son col va toucher pas vrai et puis il gagne par exemple il gagne des avantages OK et sociaux tout bagage ça bon mais qu'on y a qui ça lui même pendant l'a toucher comme ça là qui ça le café vraiment pour parti politique là on y a c'est comme ça on dit qu'on est là pour parti politique là mettez monde parler et puis qu'on y a pour ministre lui même l'a signé chaque bail donc là on entre carrément en corruption hein. C'est comme ça, après, quand ça qu'on paquet parti politique qui doit pas avec M. Ariel, mais en réalité, il y a un gouvernement, et puis qu'on est là, chaque fois qu'on entend, il y a fait manifestation, tout ça, donc, comme là, sur ton côté. Non, ça dit que faut honnête à tête tout. OK, donc ça dit que si vous voulez, on a perdu et que, on tout dit, nous comme ça, comme si mon nom voulait qu'on est là, à faire partie du gouvernement. On met des missions et puis qu'on y a fait partie du gouvernement. Parce que comprenez bien, un ministre, son corps l'a touché. Son service l'a pris une société. Son parti politique, voyez-le, c'est peut-être parce qu'il connaît que l'honnête, que le voyez. Mais nous connaît que ce n'est pas ça. Nous connaît que lorsqu'on a gagné l'élection, il n'y a pas le plan logistique ministère pour. Il y a la campagne présidentielle. Il connaît que, comme si, que. Pays a qu'on y a là tout est budget et ministère genoua gon budget qu'on y a là qui parle pas son un contrôle pas qu'on est parce que c'est problème corruption hein. donc ça dit que nous même nous toujours dit que nous prêts pour nous collaborer avec tout le monde mais c'est voie élection que nous choisis OK et que si tu as gagné une conférence nationale là nous même nous prêts pour nous participer à une conférence nationale côté tout parti politique a bay point de vue par yo pour nous capable joindre qui n'a qu'une solution nous capable arriver à pays
Bon, et c'est sûr que vous avez quoi que, et après ça, gagne là, si et seulement si nous arriver tout bon vrai soir, aller vers le conseil présidentiel là, ou bien aller de la cour de cassation, nous avons quelque chose capable de faire pour nous essayer de changer ça gagne là. Bon, et. Mais côté plus bon, hein, c'est quoi ça? C'est cour de cassation? Non, mais c'est pas seulement côté plus bon, côté plus logique là. Okay. La logique veut que c'est cours de cassation. Hein? Parce que là, où tombe non gymnastique bah, on est politique là, côté c'est, de sa raison, ça qui faut des gants pile, monde qui désistait, il y a tout dans l'autre tête, mais je me encore, mais avant, il y a comme si il y a monde qui même comme si observer qui là, qui veut mettre dans l'autre monde. Donc, si depuis le début, il y a des problèmes, donc, allez voir pour la suite. Ouais, mais bagage ça apparaît qu'il n'a qu'une logique comme si pour côté ces pays qui comme si qui est important pour c'est pas pays d'abord parce que c'est pays pour d'abord c'est pas un fait de comme si parti politique qui pour entrer dans le gouvernement pour faire ceci pour faire cela faut nous finir avec bagage ça parce que tout le monde visite pays étrangers, nous, ouais, qui va fonctionner. Nous ne pouvons pas vouloir tout le temps pour ces mêmes systèmes qui sont toujours là pour continuer à évoluer. Donc, nous ne sommes pas capables de continuer avec même bagage ça. Donc, là, je m'explique, là, c'est. Et, donc, là nous, au niveau de problèmes conjoncturels là. Mais il y a des problèmes perpétuels là, tout. Je m'explique, au l'IA. Parce que le problème perpétuel là, les mêmes sont les bagailles, les mêmes sont mal qui est plus profond, la cas haïtien, et que comme c'est ça qui peut permettre, comme si Nado là, et arriver à une solution finale pour ne pas jamais retourner encore dans le bagaille. Est-ce que nous-mêmes, à travers le Parti révolutionnaire, qu'est-ce que nous avons une formule? C'est que nous avons arrivé dans le pouvoir pour nous essayer de rallier tout secteur, toute couche dans la société à mettre ensemble? Pour plus jamais nous pas retourner dans le même tohu-bohu ça que nous y là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la raison ça qui fait que nous toujours parler de problèmes conjoncturels là. Parce que conjoncturels là, lui-même, il est plus profond. Parce que lui fait partie, ce qu'on y a, c'est parler de culture, de problèmes croyanciaux. L'Europe prend les pays étrangers, on prend l'Europe, tout ça. Culture, c'est fondée sur la chrétienté. Mais avant qu'on arrive dans tout problème ça, pour te gagner base sociale ça gagner là qui base sur la chrétienté, il te gagner plusieurs problèmes, de croyance. OK, ça te fait ouais, on va faire de l'inquisition. Inquisition en lui-même, c'est pas deux monde qui les pas tuer. Par exemple, parle de croisades, ce n'est pas deux mondes qui peuvent mourir. Donc, toute l'Europe est embrasée avec des guerres de religion. Mais à la fin, finalement, la chrétienté met tout le monde d'accord. Ils viennent mettre tout le monde d'accord et que, comme si, l'Europe vient, dans chaque pays, se vient créer l'unité nationale qui est fondée sur le respect des lois. Mais, l'unité nationale, ça, OK. Donc au niveau on mettait ensemble toute croyance puis on vient créer la religion et la catholique non la chrétienté et ouais leur visiter pays étrangers le blanc lui même dit que l'igon religion c'est pas croyance non c'est religion parce que croyance en lui même c'est que c'est ça chaque monde croit mais religion lui-même c'est ensemble des croyances que on met ensemble on vient créer une hiérarchie une structure on vient créer une hiérarchie côté on vient gagner une structure qui met en place et avec un clergé tout ça pour créer une religion et ça que fait on a religion ouais mot religaré donc relier ensemble donc on met toute base ensemble pour nous même problème que nous gagnons qui profond en Haïti et ces problèmes et ça qui fait tout un après retourner c'est que nous gagnons plusieurs croyances et que nous rejeté ouais le Dessalines de prend pouvoir en 1804 les vignes en constitution qui dit la religion
il y a aucune au niveau culturel, il n'y a aucune religion dominante. Ça dit que pas gain affaire de religion d'état, pas gain bail comme ça. On pas compte plus tard ça qui arrivé. Mais Pétion lui-même vient pour pouvoir, il devant ça l'église catholique apostolique romaine est la seule religion. Donc il vient faire religion d'état. Donc toute croyance sur nous rejeter fait que n'importe qui monde vient prendre ramasser faire ça vous laver. On ça veut dire. Donc problème croyance nous yo c'est problème son problème fondamental. Ou imaginons que chaque monde en pays en Haïti quoi nous bagaille. Qui fait que haïtien lui-même pas capable vraiment ça connaître les sacré vivre ensemble là. Si ou en France ou bien dans quel que soit pays ou aller ou mande par exemple bon moi quatre là m'dans mais comme si elle dans tel l'église ou tel bagage ou monsieur elle tel côté venir elle tel côté venir si vous besoin dans mosquée vous doit tel côté venir si vous besoin aller dans synagogue elle tel côté venir. Et ça, c'est dans le même pays asiatique et tout. Bon, paquet de temples, tout bagage, ça y est. Ce sont des religions comme Sinaloa que qui structurent. Mais imaginons que, par exemple, Blanc, lui-même, rentre dans le pays. Et puis, il dit, bon, mais même, tu n'es pas de croyances vaudouest, tout ça. Et comme tu as aimé qu'on y est là, allez. Et non, c'est bon, tout bagage, ça. Je ne veux pas le dire, ah, mon cher, comment ça passe, je connais tel, oui. Et il faut tel côté de m'aller pour passer dans le corridor, tout bagage, ça. Ça veut dire que. Chaque monde croit bagaille n'a fait pas et une belle autre ouais Jovenel Moïse il était gain problème non monsieur pour te chita li gain chasse balle qui gain un drap qui couvre il a dit que un président de la République pêche dans son chaise donc voir pour population lui même qui comme dans la côté chaque monde croit en ça et c'est gain le monde par exemple qui chaque fois qu'on problème c'est tel côté pour aller grand pile monde quoi exemple en pharmacologie qui perd des yeux dans bagage ça monde n'a pas problème ou dit monde attention son problème faut qu'on vienne chaque année faut un traitement faut bagage je dois pas moi très bien pas problème soit dit là là quand c'est un problème c'est là ça vient mais que tu perds même 3 quarts en vision moitié ou bien 3 quarts en vision pour qui ça parce que ça dit à tel côté avant le vin ou ou bien encore, ça n'est pas tenu compte de recommandations, parce que les mêmes telles croyances, et que comme si, même ça qui passe. Donc, il faut que nous créions une unité nationale, non seulement au niveau politique, pour nous capables, comme si nous avons la foi, qu'on nous achète à bien, mais au niveau société à tout, il faut nous gagner, il faut nous créer ou, comme si une véritable unité nationale. Par exemple, nous même par exemple nous dit ça dans programme national de développement que tout bail ça que faut nous venir avec une institution religieuse indigène c'est-à-dire une véritable institution parce que nous était à dire que nous gagne religion alors que nous pas gagne religion nous gagne plusieurs croyances nous d'accord qui sorti en Guinée qui sorti et na paquet en Afrique en Afrique de l'Ouest dans côte ça et l'autre encore nous gain des croyances autochtones mais faut nous arriver à une véritable institution religieuse côté comme si Nalola haïtien kachita pour réfléchir parce que OK qui j'ai vous comprendre que on peut gagner plusieurs croyances OK et que ou dit que faut yo vivre ensemble mais là par exemple mon nan dou comme ça et li dou entre parenthèses li gen croyance gen religion mais c'est pas ça du commencement à la fin yon cérémonie que mon nan se battre seulement mais côté espace pour mon nan réfléchir quoi ça me dit donc ça dit que nous même nous dit que pour tout bagage ça possible faut qu'on discontinuité entre folklore et liturgie. Folklore côté il y a pas les de comme si de crise de possession tout bagaille c'est bagaille yo mimé côté moun yo a mimé pour faire moun croiser de bagaille faut suspendre tout bagaille ça yo pour finalement créer à la place de bagaille ça yo ou créer un espace de réflexion pour capable pour l'homme haïtien kachita ensemble pour capable vivre ensemble. Et c'est peut-être ça, par exemple, où gagner
ou gagne et par exemple ou pas capable de dire que ou gagne religion et puis chaque monde qui a fait pour ce côté donc là ou gagne une institution véritable qu'on est là c'est peut-être ça nous dit ça dans le livre là faut que tu as gagné ingénieur faut que tu as gagné architecte faut que tu as gagné sociologue anthropologue faut t'as gagné et faut t'as gagné membre dans société dans société et dans société à tout dans société la société civile là civile mais dans société vaudois tout dans toute société pour qu'on y est là pour capable comme si nous là et joindre qui gens il y a pour créer unité ça pour capable créer de grands édifices même gens blancs lui même les fait parce que blanc lui même les chita en côté pour les capables tendre au monde qui parle. D'accord, oui. D'accord, comme si nous avons là pour battre tambour. D'accord, pour comme si nous avons là pour gagner tout symbole ou pas de problème. Mais gon côté pour arriver, il faut suspendre battre tambour pour capable permettre l'autre là dialoguer avec l'autre là pour permettre l'autre là réfléchir. Pour monde qui doit son prêtre lié pour le cas dit monde mais qui ça pour faire au cours de la journée mais qui ça pour faire pendant la semaine même gens comme si nous là dans l'église catholique ou pas de homélie mais par exemple maintenant chaque l'autre religion gagne espace ça l'espace de réflexion pour faire haïtien lui-même capable comme si dialoguer pour permettre lui réfléchir faut au moment arrivé faut suspendre battre tambour pour permettre dialogue ça arriver fait. C'est vrai changement ça qui pour gagner ou amener là pour capable faire permettre haïtiens vivre ensemble mais ça sont bagaille qui très profond sont bagaille sont véritable révolution lié au niveau de quoi c'est-à-dire c'est ça qui pour permettre comme si Nado là pour nous pas jamais retourner dans bagaille ça parce que blanc lui-même il sorti dans bagaille ça c'est comme ça il sorti oui il sorti dans ça parce que rivé créer espace de réflexion ça il rêve créer espace sacré ça qui permette li petit li vivre ensemble à pour le capable petit li venir et réfléchir pour permettre l'autre là lui-même qui bon côté là capable la main pour alors imagine pour ou moun di élever petit tout d'accord et puis ou dit que ou pas mener petit tout non cérémonie pour tonner ou moun k'ap di bêtises moun n'a di gros mot sale dont ti moun qui gagne 9 ans 10 ans ça pas grand sens côté du corps son belle petit là côté qui réflexion pour les qui est qui sorti dans tête un petit monde 9 10 ans capte un monde cap dit bêtise toute la journée grecer de bagaille folklorique pour camper pour capable briver véritablement à un véritable et un véritable unité nationale et c'est raison ça qui fait la pas de indigénisme qui gagne plusieurs branches noirisme il y a toujours venu il y a toujours là il y a parlé de problème culturel ça du valeté qu'on est ni et cette fois par exemple là j'ai pas esmaté écrit sur ça seul bagage pas imagine pas c'est que l'app dit que vaudois sont religion c'est pas une religion liée sont ensemble c'est croyance ou capable faire vivre une religion mais pour faire vivre une religion faut ou capable créer une véritable institution faut ou capable en harmonie avec tout parce que lorsque qu'on est là ou qu'arrive faire bagage ça OK pour ou capable faire ici un chita ensemble pour. Parce que, comprenez, tout le monde ça, ou leur mettez ensemble. Mais, là, par exemple, vous venez à un barré comme ça. Au niveau touristique seulement, c'est pas deux émancipation qui parle gagner au niveau touristique. Par exemple, là, on dit que vous venez à une véritable institution, ou gagnez de grands édifices, même Jean Blanc fait, si Blanc fait, pour ça, pas qu'à faire. Pour qui ça, c'est nos corridors, vous voulez le cacher? Pour qu'ils soient pas capables de grands édifices pour montrer fier de sortir vraiment, sous dit que ou d'où gagne croyance, faut mettre ensemble pour qu'on y est là, pour capable comme si on a la sortie de trouer pour montrer blanc mais qui soyez qu'on n'a pas un paquet de monde qui a venu qui soit fait vraiment hôtel pas le bâti, un paquet de touristes a venu, un paquet de belles bagues qui pas le fait. Ça c'est au niveau culturel, ouais ça me dit. Mais au niveau politique là, nous même nous dit faut rétablir et classe mulatte là tout faut nous rétablir équilibre là au niveau politique au niveau économique qu'on est là ou pas le camp automatiquement qu'on y a ou vinn gain équilibre politique ça au niveau économique ou pas le gagner tout
ou pas gagner une stabilité parce que ou pas gagner monopole ça encore et puis qu'on est là ou pas gagner série de monde qui ou pas gagner plus jeune qu'on est qui parle émancipé au niveau économique et au niveau social qu'on est là ou vin créer une unité nationale à travers une institution y a pas le nom que le vaudou que le top là que le nom vle parce que c'est à travers une conférence nationale sur la culture que toute force vive pays a réuni pour qu'on ça vle le par exemple ou gain aspect politique ça ou gain aspect économique ça ou gain aspect social ça ou qu'a véritablement parler de révolution grande boucle ça c'est sacré révolution hein. C'est pas j'étais tel pour retourner dans même grimace là encore qui révolution petite révolution ça pas abouti à rien du tout et c'est ça nous tout à faire tout au cours de l'histoire d'Haïti c'est ça nous fait petit bagage ça yo j'étais tel pour mettre monde pas moins pour caver notre petit job j'étais tel pour caver notre petit job j'essaie de alors c'est ça que fait moi mettre le Guinée parce que Télé Guinée lui-même il doit balle la santé pour tout le monde. Ouais mais nous il permet tout le monde parler pour tout le monde expliquer comme si alors là qui ça lui ouais pour pays lui. Alors gagner ça de côté mon nan lui-même c'est 10 000 pour le bal parler et que comme si alors là il pas balle l'autre monde parler parce que c'est 10 000 pas ballon job. C'est 10 000 lui-même comme si nado là qui lui besoin qui pour paraître. Mais donc c'est ça que fait un bon journaliste et que au niveau c'est tout pays qui est un problème mais si c'est comme ça nous voulons vivre en vase clos au niveau en égocentrique mais qui vient nous voulons pour nous sortir d'un problème là vraiment donc c'est ça qui fait nous devons être honnête à tête tout l'honnêteté est la meilleure politique ça dit que si pas honnête à tête tout ou pas qu'à aller loin vous avez même tout dit tout le monde ça souvent mais même ça c'est une même si on vous il y a une élection que même par l'élection pas dire au monde ça sous un docteur Jean Gilles tu prends 50 gourdes seulement même si c'est on coume de faire en côté comme prend 50 gourdes dans l'état on pas participer dans une élection quoi. Merci docteur Jean Gilles nous t'es content de recevoir l'émission aujourd'hui et gapil parole qui était pour parler. C'est pas pour la dernière fois, nous espérons une prochaine occasion. On est capable de continuer à parler avec la population pour nous faire mieux comprendre côté que nous y est et côté que nous devons aller ensemble. Merci beaucoup, M. Ismaël. Merci pour l'opportunité que vous avez pour t'expliquer et tout problème qui vient dans le pays. Qui vient pour nous sortir ça. Je remercie Radio Télé Guinée et tout. Donc, effectivement, bon. T'as souhaité que c'est pas la dernière fois et que nous avons gagné la prochaine fois pour nous rencontrer encore et que bon travail et félicitations Radio Télé Guinée. Voilà. À toute l'équipe. Mesdames, Messieurs, c'est là nous avons avec l'émission Décoté pour aujourd'hui. Dans mes cours, c'était moi-même Ismaël Chester-Antoine qui a invité nous à chez Radio Télé Guinée pour cette programmation. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Tout côté connaît depuis peuple à la donne Radio Télé Guinée la donne depuis peuple à pas la donne Radio Télé Guinée pas la donne c'est ça que fait depuis Radio Télé Guinée la donne peuple à la donne dans tout département dans tout pays dans toute diaspora tout partout RTG CG ak zorey tout haïtien. Dans pays nous m'a parlé wa parlé la palé y a parlé tout moun a parlé yo di se nan entero présidence parlé gouvernement parlé opposition parlé secteur privé société civile secteur religieux secteur populaire classe politique tout moun a parlé pour peuple tout moun a travaillé pour peuple et ou même peuple et ou même citoyen qui leur a parlé pour tête pas